t'es pas une merde. Ici, c'est moi le coach. Je décide, tu écoutes. D'accord? Si je te dis tu continues, tu continues. D'accord? Je suis le patron et tu me regardes quand je te parle. Dans mon ordre. Il soulève. C'est parti, une nouvelle vidéo, Shaq. Trésor en chaîne, frérot. Tranquillou, quoi. Trésor, une machine. Bah 2m09. Ouais. Un beau bébé, il a des bras. Les bras, c'est sa spécialité. Je ne vais pas rétrécir, il est vraiment très grand. Voilà, c'est un pote depuis longtemps. Il a fait longtemps là, le train with me. Je lui ai dit, écoute, si on vient se faire une petite séance ensemble. Moi, direct. Jambes, bras. Bras, je sais, il va me fumer. Les jambes, moi, c'est compliqué, mais on va. Imaginez quand il doit faire, on va attaquer par du soulevé de terre, il doit faire un soulevé de terre, partir dans. Plus il finit en haut, c'est même cardio tellement le chemin il est long. Donc on va attaquer avec du soulevé de terre. Bien sûr, Trésor, il est grand, il fait du basket. Ouais. On s'est connu, t'étais venu, on avait fait un petit peu de basket, on s'est déjà entraîné ensemble, avec Pascal aussi, voilà. Ça fait donc depuis plus de 2 ans, il a fait régulièrement le train de speed, il a un petit peu moins parce que par rapport au basket, c'est vrai que tu fais que 3 séances par semaine. Mais il complète avec des séances aussi un petit peu différentes, voilà, c'est un joueur donc semi-professionnel. Et donc là c'est parti, on attaque. T'es chaud? Allez, go. On y va. Donc là, on va juste s'échauffer, on va faire ça à la trap bar. La trap bar, c'est quoi? Ça pouvait être dedans. L'avantage, c'est qu'on est en prise neutre sur les côtés par rapport à un soulevé de terre normal. Honnêtement, ça facilite un petit peu la technique, donc c'est un peu plus facile, on va dire, de forcer et d'être moins focus sur la technique. Juste, on retourne, parce que si vous prenez ces poignées-là, c'est vraiment facile parce qu'en fait, vous avez une amplitude plus faible. Peut-être que Trésor, je vous ferai faire avec les poignées plus hautes, comme ça, il diminue un petit peu l'amplitude de sa taille. Mais voilà. I was starving skinny, now my weight up. Got no energy for haters. See you trying, see you later. See you later. I'm shooting for the stars, need no laser beam. Blowing like the greatest, but it's one who's always greater. Yo, yo, go dummy, go beast. Oh no. Après, bon. Vous irez voir son Insta, il fait que des photos comme ça. Tu crois que je vois pas? En plus, c'est vrai, hein. Non, c'est vrai. Là, par contre. Ouais, comme ça. Ouais, voilà, c'est comme ça, tu montres le. Et Trésor, très très chaud, les pompes. Ouais, à la fin, tu nous ferais une petite démonstration. J'essaierai de trois trucs aussi. Tu vas le faire, toi tu pourras le faire. J'ai une petite anecdote en plus, c'est que je me suis un peu inspiré de toi quand tu faisais les pompes de Superman, tu vois. Parce que moi au début, je savais pas. À l'époque. Voilà, du coup, j'ai vu ça. Après, du coup, j'ai dit, bon, je vais essayer de faire les pompes Superman. J'ai réussi, c'est là que j'ai commencé à faire les pompes freestyle, tu vois. Donc en vrai, c'est toi. Ouais, c'est comme le Covid, nous on a commencé les pompes. Après tout le monde fait des pompes maintenant. Oui, bah oui. Ouais. Tu vois la difficulté de la trap bar, c'est que si tu te mets trop en avant, t'as vu, elle tombait vers l'arrière. Ouais, donc ça t'oblige à avoir beaucoup de poids. Il faut essayer de trouver, moi généralement c'est 1 pouce du bord. Ok. Si tu la prends bien au milieu, c'est plus facile. Ok. Toujours hein, les aminos, hein, vous savez, pas d'entraînement. Code promo à XPJ10. On va monter un peu et je te remets un 20. Ok. Donc, en gros, moi actuellement là je suis en half body, c'est pour ça qu'on va se faire jambes, bras, abdos. La séance d'hier c'était pec, dos, épaules, vous avez compris. Et là, donc, on est le mercredi, c'est ma 3e séance. Donc, lundi, j'ai déjà fait, moi, les jambes, mais c'était plus quadri. C'était les jambes générales, on va dire, parce que c'est du squat, c'est de la presse. Donc, tout bosse, tous les membres inférieurs. Mais on va dire un plus gros focus quand même, quadri. Là, sur cette séance, il y a un peu plus un focus, tu vas voir, ischio, fessier. On essaye un petit peu de varier. Après, en half body, bah, c'est vrai que si vous faites tout à la suite, des fois, c'est un peu dur. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, parce que tu as encore un peu de courbature, des fois, ou tu as une petite fatigue. Donc, c'est possible de faire lundi, mardi, une petite coupure le mercredi. Jeudi, vendredi par exemple, coupure samedi, reprendre le dimanche, je ferais voilà, vous pouvez adapter. Moi je sais que de temps en temps ça m'est arrivé de m'entraîner 6 fois et de faire 6 fois en half body et ouais, ça pareil, se fait. Pareil. Mais faut être focus, faut ouais. Voilà. Donc là, on monte encore un peu, on va essayer de s'en faire 6. Okay. Troisième série. Vous voyez, la dernière fois que je fais un basket contre Trésor, il y a 2 ans. T'as arrêté combien de temps le basket? 2 ans. 2 ans. Non. Le mec, il est traumatisé. Non. Faut dire les vraies stats. Ce qui s'est vraiment passé. Si t'as besoin, tu vois, tu passes autour du bras et en fait, tu mets à l'opposé de ta main. Ok. Tu fais 1, 2 tours. Et là, l'avantage, je vais venir pouvoir serrer. Et là, c'est comme si t'avais vraiment un appui. Donc en fait, t'es grippé. Ouais, t'es grippé. Toi, ce qu'il faut juste que tu fasses, c'est que tu mets bien ta main au milieu de la barre.
et tu sais que ta barre elle bascule plus d'avant en arrière. Ok. Elle reste bien à l'horizontale. Ouais, parce que moi ça part trop. Tu perds trop d'énergie. Plus, ouais. Parfait. 3, là t'as le dos, il est nickel, la position elle est propre, allez. Ok, on va décharger et on va passer aux fentes bulgares. Okay. Pas un petit boule qui chamboule. Ok, on passe aux fentes bulgares. Donc fente bulgare, c'est une fente, mais vous avez le pied arrière surélevé. Dans les salles, des fois, vous avez par exemple le leg extension ou le leg curl, s'il est libre, ça va pas mal. Ou des fois, juste un support de banc ou quoi pour mettre la jambe arrière. Sinon, bien sûr, un banc. Je préfère, moi, un truc un peu arrondi. En tout cas, ça vous oblige à avoir en fait le pied posé sur un truc plat. Mmh. En fonction de la souplesse de chacun, c'est pas toujours très pratique. Ce qui compte, c'est de garder les pieds un peu écartés. J'aligne pas, sinon je suis pas stable. Je garde le dos bien droit et je vais venir descendre le genou arrière. Et essaie d'avoir un focus, poussé avec le talon avant, un focus ouais. Fessier. On fait moins de repos, on essaie d'enchaîner assez vite. Et bien focus fessier. Même là, tu dois être guéri. Hein. Allez. Ok, troisième exo. Alors, des relevés de jambes, j'ai un souci à l'oreille. Vous pouvez soit faire ça sur un banc, soit faire ça sur le box, avec des haltères ou pas. Normalement, on se fait juste ça. Là, trésor, basketteur. Il veut prendre aussi de la patate et gagner en détente. On s'est quand même un peu tué les jambes. J'espère que tu dunks, frérot. On va se faire 100 poids, mais explosif, on va essayer de sauter. Ok, tu fais pas le saut de ta vie, mais tu sais d'être explosif quand même. Et il faut en faire 10. Ok, bien reposer à chaque fois le pied et la jambe arrière au sol. Il a pensé le truc. Le slime, on va lui changer. T'as un petit trou au genou, frère. On va te changer. Je crois plus ça, les amis. Vas-y, change le nom impropre. Fais une vraie pub. Okay. Stylé. Oh. Tu le changeras comme ça. Je vois, il est troué. Ouais, je me suis tué avec. Merci, mon frère. C'est carré. Tu me sens rafraîchi. Ok, on se termine les jambes. Fente sautée. 20 reps. Wouh! Okay. Vas-y. 3 séries, une minute de repos. Reste sur des temps de repos assez courts. Là, on travaille les jambes, aussi le cardio, bien sûr. Ouais. Les seufs. Je commence. Vas-y, chaud. Dès que j'ai fini, tu y vas? Donc Trésor, très jeune, il a joué en National 2. Ouais. Après, il a eu soucis, notamment au doigt, donc bien plusieurs opérations, machin. T'as arrêté quasi 2 ans, il y a eu Covid aussi qui ont bloqué. Ouais. Donc là, t'es reparti en N3, t'as 22 ans. Le but, bien sûr, c'est qu'ils finissent pro. Pro au basket, c'est pro A ou pro B. Ouais, non, National 1, c'est pro. Mais oui, je t'ai compris. Moi, ça compte pas, frérot, t'es pas pro. Okay. On va dire pro, c'est que tu en vis, etc. Ouais, ouais. Là, même si bien sûr, il vit de ça, mais t'es obligé d'avoir à côté des petites activités et tout. Ouais. Le but, pro à pro B. Eh non, ça compte pas. Ok, t'es chaud, on termine. Squat. Enchaîner squat frontal. Presse. Hein? Backflip. Non, t'as un menteur. Ça va. On va passer aux muscles de Trésor. On va passer aux bras. Biceps, triceps. Oui. En superset. Ça, j'aime bien ça. Là, tu me fais plaisir.
Alors, je te propose. Vas-y, dis-moi tout. Biceps curl marteau. Ok, ok. Debout, 10 reps. Enchaîné avec dips. Ok. Ok, 10 et 10. Okay. 4 séries. Ok, donc c'est parti, les bras, biceps, curl, marteau, 10 reps. Parfait. Enchaîné, dips, 10 reps. Nickel. Ok. Chaud. Donc lui, il est très très fort à ça, normalement. Allez, trop facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de l'eau. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ça, il a pas précisé ça. Il l'a pas précisé, hein. Bien. Ce bras, après il a négligé plus que lui, pas encore. T'as cru on allait les faire pas lester. Hein? Tu prends les combien? Il y a... 28? Non, je sais 24, tranquille. 24 kilos? Ouais. C'est pas tard. Genre, il a pas ton visage. Allez! Oh, tu m'as dit 24! Je vais trop t'incliner ça. Ouais. Je veux pas tricher. Ah, ça fait toi qui peux ça. Il nous reste un super set bras, il vomit pas, hein, il remplit l'eau. Et après abdos. Dernier super set pour les bras, on va se faire un que j'aime bien, incliné, d'accord, curl incliné, sur les biceps, 8 reps seulement, okay. Et des pompes, bon, pompes triceps, okay. Sur le banc. Tu vois ce que c'est? Ouais, ouais, ouais. J'aime beaucoup cela. Pour finir, je trouve que c'est vraiment top. Y'a du bise et y'a du zéro. Jamais trop et jamais de risque zéro. J'suis toro et torero. J'entends pas les arts, j'suis un pistolero. Y'a du bise et y'a du zéro. Jamais trop et jamais de risque zéro. J'suis toro et torero. J'entends pas les arts, j'suis un pistolero. J'entends pas sur le beurre en faisant le mille-mille. Allez. Tu as respecté ces points. Ça va? Dominé ou pas? T'es chaud? Bien sûr! Allez! Ok, séance bras, elle a terminé. Vous avez vu les grands bras. Et on va juste terminer maintenant avec des abdos. On fait 3 fois dans la semaine. Donc là, c'est juste un exo oblique. Essuie-glace max de rêve. Si vous pouvez aller jusqu'à 20, on va jusqu'à 20. Allez, go! Okay. Chaud ou t'es pas chaud? Chaud. T'es chaud? Ah bon? Allez, vas-y. Ok. Monte pas jusqu'en haut, c'est pas grave. Et tu fais juste les genoux un peu sur les côtés. Ok. Ok? Allez, go! Allez, ok, séance terminée. C'est pas pour moi ça. Trésor, il va vous faire une petite démo. Récupère un peu là. Ouais. Et il va vous faire une petite démo, ce qu'il sait faire au niveau des pompes. Sachant qu'on vient de faire les triceps. Ouais. Tu vas peut-être perdre un peu d'explosivité, donc sois pas trop gourmand. Fais-nous un petit truc sympa, stylé, là. Propre. Ok, Trésor, 22 ans, célibataire, va vous proposer une démo. Ah, j'ai dit qu'il était célibataire. Ah, mince. Allez, vas-y, frérot. Ok. Fais-nous une vraie démo. Ouais, une vraie démo. Ah, là, je veux que t'envoies, là, que tu leur montres. 2m9, qu'est-ce que tu sais faire? Yeah. Oh. Tu fais des dédicaces à la cam. 3-6, au calme, merci, dédicace, ouais, militaire. Yeah, gros. Yeah. Ouais, gros. Et je vous ai dit, après l'entraînement, c'est pas facile. Ah, c'est sûr. Et il fait ça, c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'il a niqué le jogging body time. Il fait ça dehors, sur le goudron, dans la rue, sur un trottoir. Ses potes, ils le chauffent, vas-y, Trésor, fais. Et là, il s'arrache les coudes, les genoux. Le plus dur, c'est énorme, mais là, je pouvais pas le faire. Franchement, c'est trop chaud. Ouais. Mais Fatigué. Explosivité là, mort. Allez,
très grosse séance. Qu'est-ce que je peux faire moi? Croisé, Superman, non. Grenouille. Juste ça. Tu vas voir. Mais ça, c'est pas des pompes, je trouve. Non, mais c'est. Mais ça fait juste mal, non? Non, je te promets, visuellement, c'est stylé. En sérieux. Bah, vas-y, dis-moi. T'es là? Ok. Pour commencer, en fait, tu fais juste comme ça, tu vois. Comment? Comme ça, juste ça, tu vois, ok? Et après, moi, j'ai appris comme ça. Tu fais ça. Comme ça, voilà, non, sans les jambes. Ah. Voilà, 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 c'est ça. Et tu sais, voilà. Et maintenant, avec les jambes, pareil, et en reculant, voilà. Vas-y, vas-y. Après, t'enchaînes, tac. Tac, Superman. Ok, ok. Tu croises, ok. Ok. Oh. Il est chaud. J'avais vu quoi. Il est chaud, il est chaud. À la base, j'ai fait un truc. Bon, voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Merci, Trésor, d'être venu. Donc, joueur de basket à Montélimar, 22 ans, prometteur. Ouais. Ouais. J'espère que ça ira mieux la blessure. Bien sûr, ça ira, t'inquiète pas. Prochaine fois, tu viens, on se fait un petit basket. C'est vrai que là. J'allais dire janvier, non, en février, mais moi, bon, c'est pas l'idéal. Trouver un vrai terrain. On se fera un vrai truc. Bien sûr. Et voilà. Tous ceux de l'Army, bah voilà, si vous êtes chaud, envoyez-moi un mail. Donc ceux qui sont dans mon entraînement, pj@bodytime.fr, je ferai avec une autre personne d'ici un mois, deux mois. Pensez bien sûr à vous abonner, cliquez sur la cloche, allez checker Trésor sur son Insta. Je te le mets en description. Comment c'est Trésor MB91. Trésor MB91. MB91. Ah oui, parce que tu viens du 91. Voilà, c'est ça. Allez, checker ça, allez le suivre. Donc, ouais, dans les stories, vous verrez souvent son style de pompe. T'as kiffé la séance? Ah, j'ai kiffé. Franchement, les jambes sont encore là. Là, c'est chaud. Vraiment, ça tabasse. Demain, j'entraîne pec, dos, épaule. Ouais, mais tranquille. Ouais, ouais. Ok. Demain, c'est facile, c'est basket. Tranquille. Allez, on vous dit à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche. Tracte un peu les abdos. Fais un check. Donc j'ai un peu les favoris.